Alors, pour motiver les équipes, on fait des réunions au quotidien, hein, donc ce qui paraît, par rapport à certains confrères, un peu compliqué à faire, mais nous, j'ai toujours mis ça en place. Donc, tous les matins, on a une réunion équipe dans laquelle on fait des estimations, etc. Donc, les collaborateurs se sentent pas seuls pour donner un prix, mais c'est bien l'accord de la validation de toute l'équipe pour donner un prix, ce qui est quand même plus rassurant aussi pour le propriétaire, hein, plutôt que d'avoir le prix d'une seule personne. On est 14 autour d'une table à déterminer un prix et on en fait une moyenne. Donc ça, c'est tous les matins. Et pour la motivation de l'équipe, c'est des challenges qui sont mis en place. Hein. Ça peut être des challenges sur, en général, pas trop le chiffre d'affaires. Hein. C'est plutôt des challenges sur des actions à mener. Des panneaux à poser, des flyers à déposer, des animations auprès justement de commerçants ou d'associations. On met ça en place. Là, on va faire une animation pour Octobre Rose, donc à partir d'ici quelques jours, où on fait faire aussi, encore une fois, des polos roses avec notre logo et qu'on va distribuer à des commerçants. Et on va également faire des panneaux qu'on va déposer chez des clients ou pas clients. Et chaque panneau posé ramènera 5 euros à l'association. Voilà, donc l'équipe est très demandeur de ce genre d'action et on fait tout pour toujours trouver un rythme dans le travail.